Ah, c'est très cher de commencer avec moi. Ouais, je pense qu'on va pas aller voir. Oh, bah de toute façon, on va la perdre. Donc, salut Kat. Salut Kat. Bonjour tout le monde sur Twitch et sur YouTube. Pour ceux qui regarderont la retransmission de l'année découpée sur YouTube. Donc, bienvenue sur Star Wars Ascension Empire. Donc, pour situer où ça se passe, ça sera décrit dans le générique que vous verrez sur YouTube. Ça se passe en fait après l'épisode 4, Le Nouvel Espoir. Où on va dire que Luke Skywalker a fait exploser l'Étoile Noire. Donc ça... engendrait un engouement vis-à-vis des citoyens pour rejoindre la rébellion. Donc sous cet enthousiasme, trois agents ont rejoint la rébellion. Les trois Gugus que vous voyez ici. On est la rébellion est mal barrée. Voilà, je suis rebelle. Et moi-même, j'ai joué le joueur empire, ceux qui vont leur casser les couilles. Ouais, bah comme d'hab, quoi. C'est ça, comme d'hab. Comme d'hab. Donc, je vous présente le maillard du pauvre. Voilà, c'est ça. Voilà, sur Leader Press. La vache, t'as... Donc, Stop, vous pouvez laisser ça accoucher, s'il vous plaît. Merci. Ouais, merci. Ouais, ouais. Vaut mieux. Qui est bien. Donc là, en fait, vous ne vous connaissez pas d'avant, c'est votre première mission ensemble. Là, actuellement, vous êtes tout simplement dans le vaisseau qui va atterrir sur la planète pour votre première mission qui s'intitule Répercussions. Donc, pour commencer, je vous laisse présenter vos personnages, qui vous êtes, votre background. Ok. Donc, qui veut commencer? Je vais commencer, mais je vais aussi, du coup, améliorer un peu ce que tu as fait. Dans ce sens que là, en fait, en gros, on est dans la salle de briefing, donc justement, dans le vaisseau... Ouais, en fait, là, vous êtes dans votre vaisseau, dans, on va dire, entre guillemets, dans la soute de débarquement, vous êtes prêt à partir, et ils vont se présenter à peu près vite fait au niveau du briefing, comment ils vont faire, et je vais leur donner l'objectif de mission. Voilà. Donc, pour ma part, je vais la montrer, la caméra, là, donc, du coup, là, la petite, là. Moi, je joue Gideon Arcus, donc, qui est un valeureux commandant. Alors, qui je suis? Alors... je suis un officier de l'ancienne République qui a été mercenaire pendant un moment et qui du coup rejoint... Non mais les gars, si vous voulez... Mais pas faire... Bon donc je reprends parce que je me fais interrompre. Du coup, je joue Argus donc, qui était un ancien officier de la République donc avant l'épisode donc 4 qui n'a pas suivi du coup l'ordre 66 vu qu'il n'était pas un clone. Mais qui a décidé de sortir de sa retraite forcée afin de ne plus être inactif et a rejoint du coup les rangs des rebelles. Comme vous pouvez voir, il a certes un certain âge, mais il reste quand même un fin stratège. Donc voilà un peu le background rapide du personnage. Ah, ça ok, bon. Donc merci pour Argus. Garkan du coup, le Wookie. Voilà, c'est ça. Je m'en doutais. on voit bien, ouais, ouais, c'est... on voit bien. Donc moi je suis un wiki, ouais, je suis le bourrin de l'équipe, hein, comme d'hab. Donc moi c'est Garkon, hein, Wookie, j'ai aidé Yoda à s'échapper de la planète Kashyyyk, si je dis pas de bêtises. Kashyyyk, ouais, c'est ça. Lors de l'ordre 66, et j'ai rejoint la rébellion dès ce moment-là en fait. Donc toi, tu es un agent actif depuis... Je suis un agent actif et je rejoins cette mission pour aider les nouveaux venus dans la rébellion. D'accord, donc c'est le mentor de l'équipe, on va dire. Le mentor. Qu'ils comprennent bien le bookie. Et du coup... quant à moi, je suis la copie d'un Khajiit de Skyrim. Non, concrètement, je suis simplement un mercenaire qui est engagé sur cette mission. Comme je m'y connais pas tellement en Star Wars, je vais pas inventer des trucs. par peur de passer pour un con. Tout, déjà, on va l'appeler Mark, du coup. Ouais, parce que le reste du monde est un peu compliqué. C'est Mac. Mac, ok. Donc, Mac, c'est tout simplement, on va dire, le novice, le dernier arrivé, qui fait ses premières armes et qui n'a à peine après tiré. Voilà, c'est ça. Pour faire simple. Ok, donc vous êtes tous, on va dire, aux abords de la planète, dans le vaisseau. Vous commencez à rentrer dans l'atmosphère et tout. Le débriefing de dernière minute arrive, parce que c'était une mission secrète, on ne vous a pas dit exactement c'était quoi l'objectif. Donc, votre objectif, il va être, en fait, très simple. Vous voyez, vous avez des terminaux. C'est ça. Voilà, c'est vos terminaux. Dans les briefs, en fait, votre but est de récupérer des données à l'intérieur.
Donc ici, c'est le point d'atterrissage où vous arriverez avec vos persos. Vous mettez où vous voulez autour de vos personnages, vous vous placez comme vous voulez. Comme ça, en fait. Voilà. On a un pirate dans l'équipe. Bah la stat de... Bah ça après le problème c'est... Ça c'est vos stats à vous, vous c'est avez choisi vos persos les gars. Parce que moi je pirate pas, hein, je détruis. Moi ça va le faire, j'ai 3 points en techno. Ouais voilà, donc au pire ce sera tous deux. Parce qu'après moi j'ai 2 points en techno. Moi j'ai 2 points, mais je bon ça sais, après ça on verra. Je suis censé être le sniper de l'équipe qui reste en arrière, mais... Ouais c'est ça. Je suis le seul qui a pris une clé USB avant de partir. Ok, donc du coup, voilà. Là... Donc le vaisseau débarque, vous passez vos... Vous débarquez tout simplement. Ouais. Le major qui prend de la place comme d'hab. C'est ça, le major qui prend toute la place. Je vous emmerde. Et moi on met dans le coin où j'ai pas digne de vue. C'est magnifique. Et aussitôt débarqué, les choses tournent mal. Vous êtes tout de suite directement sur le feu des soldats de la faction de l'Empire. Et vous soupçonnez même que votre arrivée était prévue d'avance. Parce qu'ils vous attendaient. Nous avons été trahis. Alors il pourrait bien s'agir d'une embuscade, comme ils arrivent, ils sont déjà sur place. Vous étiez forcément très bien renseigné. Quoi qu'il en soit, votre objectif reste le même. Pirater les trois ordinateurs en question enfermés dans le bunker. Le seul problème, c'est que vous allez devoir du coup le faire beaucoup plus rapidement. Comme c'était déjà, vous êtes déjà repéré et que vous avez déjà été dénoncé apparemment. Mm-hmm. Donc pour ce faire, le round se termine au bout de 6 tours. Je vous préviens d'avance, il y a 6 tours. Donc... 6 tours peut-être pas ici. Ah ouais. Ils ont 6 tours pour pirater. Bon, là on est au tout début. Donc concrètement, là vous êtes sous le feu ennemi, c'est à vous de passer à l'action. Ok. 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 Donc vous avez. Je vous laisse l'initiative. Bon. Quelqu'un a dû balancer notre arrivée parce que là il y a beaucoup trop d'impériaux pour ce qui a été annoncé dans le briefing. Mmh. Du coup, pour la marche à suivre, comme on a vu lors du briefing, vous avez une étendue sauvage du coup de plaine et d'herbe du coup, avec quelques endroits pour se mettre à couvert. Et après, vous avez le bâtiment où il y a deux terminaux. Donc, pour faire la marche à suivre, comment allons-nous y prendre? Est-ce que quelqu'un a des idées? Déjà, Major s'est mis en tête et c'est le seul perso de CAC. Donc, Bon, le Wookie va cogner. L'idée de Major, c'est de taper. L'idée voilà. De Major, c'est de taper. Il sait pas faire grand-chose. Moi, je suis un tacticien, donc techniquement, j'attaque de loin. Et éventuellement, je peux utiliser mes capacités pour vous booster ou pour vous faire jouer. Et toi, il me semble que tu es longue distance, il me semble. Bah oui, moi, je suis sniper. Donc, on va laisser l'initiative au Wookie. Donc, vas-y. Choisis ce que tu fais. Et là. Attends, que je reprenne comme il faut. Hein. Donc, j'ai 4 d'endurance, 4 de vitesse. 4 de vitesse, c'est les 4 cases que je peux me déplacer. C'est bien ça. Alors, Garkan, ouais, c'est ça. T'as 4 cases de déplacement. D'accord. Comment. Tu peux te déplacer en diagonale. Hein, oui, oui. Non, mais comment on choisit déjà? Je sais même plus. J'ai relu les règles, mais je m'en souviens même plus. Il faut faire un jet de dés, non? Non, t'as pas le droit de déplacer, non? T'as le droit de déplacer automatiquement, naturellement, de voilà, te mettre en face de ton ennemi pour taper dessus. Et que bah, j'ai, du coup, je vais initier une attaque. C'est... Moi, j'ai la vibro H. T'as une vibro H. Donc, moi, c'est un blaster. Voilà. Major, il tape à... au corps à corps. Vibro H. La vibro H. Ton arme, elle perd directement de sa superbe à partir du moment où t'as vibro marqué devant. Du coup. Va crever. Pour rappel, une vibrolin, pour ceux qui connaissent l'univers de Star Wars, c'est les seules armes, je crois, qui peuvent résister au sabre laser. C'est ça, ouais. À part les sabres laser. Donc Major fait un G, il a 3 dégâts, 1 d'adrénaline. Tu attaques Monstre Trooper, je suppose, juste en face de toi. Oui, juste en face. Monstre Trooper, lui, a droit à 1 dé noir de défense. Et j'ai... Attends, laisse-moi un résultat au pire. Hop. Je peux faire un enchaînement. Attends, faut d'abord qu'il se défende. D'accord, faut d'abord qu'il se défende. Non, tu me dis que t'attaques, tu fais quoi? Tu utilises ton adrénaline, c'est ça? Si j'utilise mon adrénaline, soit je fais perforant 1, soit je fais enchaînement 1. Qui me donne un point de. Dégâts en plus. Un point de dégâts en plus. Bah, l'avantage, si tu fais perforation, tu lui enlèves en fait un point de bouclier. Bon, donc en gros, tu le tapes à 3 quoi. Là, t'as pour 1 de défense. J'ai 1 de défense, donc j'enlève juste une attaque. D'accord. Ouais, mais comme il a dégâts, 1 quoi. En perforant, c'est tu ignores le point de défense. 3. Donc les 3. Ouais, donc si tu utilises ton adrénaline en dégâts, tu me fais 3 points de dégâts. Je vais utiliser mon adrénaline en enchaînement, du coup ça fera un point de dégâts, ça en fera 4, il va faire 3 points de dégâts. Ouais, 3 points de dégâts, c'est ce que je fais. Je vais faire 3 points de dégâts sur le Stormtrooper. Ok.
Le Stormtrooper tombe et meurt. Ah, je savais que la force d'un Wookiee, ça pouvait soulever un Stormtrooper avec une main, mais pas avec un doigt. Voilà. Du coup, là, il me semble qu'il peut encore jouer après attaquer, tant qu'il n'a pas utilisé ses points, non? Non, il a droit à une action de déplacement, une action d'attaque. D'accord, il peut pas enchaîner. Il va pas s'amuser à se déplacer dans toute la map. Il peut encore bouger. Ouais, il me semble que tu peux encore bouger. Hein. Tu peux encore bouger de ce qui te reste de points de déplacement, mais tu peux pas rattaquer. Par exemple, tu peux te mettre là pour te mettre à couvert, par exemple. Un exemple. À moins d'utiliser ton des points de stress et d'aller. Mais pour l'instant, j'ai pas un charge. Salut, j'ai pas de points de stress. Et on dit bonjour, mal poli. Salut, Snowbeer. Salut, Snowbeer. Je vais m'en mettre ici. You rush a god. Ah, la même réflexion que moi. J'aime bien. Là. Ça c'est une arme, mais ça c'est une arme Jedi ou une arme... Non, c'est une arme que t'as là. D'accord. Ouais. Ah mais tu peux pas utiliser une compétence, parce que c'est une compétence d'attaque. Il peut utiliser sa charge, mais il va prendre 2 points de stress. Je vais prendre 2 points de stress. Peut-être intéressant. Pour faire le ménage. Yo. Faire le ménage. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est les points de stress et tout, on a fait un épisode 1, 0, tuto. Du coup, je vais faire, je vais prendre 2 points de stress. Il te faut donner 2 tokens de stress. Pas de soucis, mais donner 2 tokens de stress. On va déblayer le terrain au maximum dès le départ. Donc ce Wookiee se stresse tout seul. Bah on est déjà stressé dès le départ, je te rappelle. Du coup je peux me déplacer encore de 4, donc 1, 2, 3. Non, t'as déjà fait quoi? J'ai fait 1, il a fait 1. 1, donc 2, 3. 3, voilà. Et je peux rattaquer du coup, vu que c'est ma charge. Bah t'as fait comme tout à l'heure. Ah non, t'as non. Non, tu fais 2 points de dégâts. Je fais 2 points. 2 okay. points, bah attends, non, je peux encore faire mon enchaînement et faire 2 points de dégâts. Ah, tu veux réenchaîner? Ah ouais, j'enchaîne. Tu prends directement 4 points de stress direct. Après, ça attaque tes PV. Hein. Après, ça attaque tes PV, hein. Et on est qu'au début de la mission. Hein. T'es pas vu. Ah, bah non, j'ai mon point de. J'ai un point d'enchaînement. Ah, mais il a une défense d'armure. Ah, j'ai 1. Oui, mais il a 1. Ça annule. Ok, donc tu me fais 1 de dégâts. Si tu utilises une adrénaline, c'est pour faire 2 dégâts, on va dire. Voilà. Et d'adrénaline, j'ai encore. J'ai 4 d'endurance. Ouais, tu peux. Mais après tes 4, tu seras. Je serai. Tu pourras continuer, mais avec des points de vie. Ouais. Eh non, mais t'es tellement violent, le Wookiee. Ah oui. Non, il peut, mais. Tout dans les bras, rien dans le cerveau. C'est ça. Donc tu fais. Soit je fais un point de dégâts, soit j'en fais 2. Oh. Ouais, un point de dégâts, ça sera suffisant, je pense. Toi, tu l'as en ligne de mire, normalement, le sniper. Non. Non, ce que je te rappelle, si t'es devant, normalement, tu caches la ligne de vue, normalement. Ouais. C'est ça, ouais. Tu prends ton point là, tu peux le viser là, et t'as un autre point là. Voilà, non, t'es visé. Enfin, non, mais genre le Wookiee, j'aime pas. Non, le Wookiee, je suis devant. Moi, je suis devant. Il va pas gêner. Ouais, donc au final, je vais faire qu'un point de dégâts. Non, je vais Kargan ne va pas gêner. Non, il gêne pas. La boucle de poil ne jette pas. Mais de toute façon, celui-là est déjà gros par major, je vais pas attaquer celui-là. Bon, je vais du coup laisser pour je ma part tout de tu vas prendre la deuxième attaque, sachant après en fonction de ce qui va se passer, si je décide d'attaquer ou peut-être de faire rejouer quelqu'un. Mmh. Donc, je te laisse voir un peu comment tu vas planifier le truc. Bah moi, je vais simplement me décaler ici. Tu m'as fait un point de dégâts, c'est ça ? 3. Ici et attaquer celui-ci. Ok. Donc t'as fait 3 déplacements. Pour éviter que Major se fasse attaquer par les flancs. Tu lances avec ça. Non, vert et jaune. Vert et bleu, pardon. C'est deux bleus. C'est deux bleus. C'est du bleu. C'est du bleu. C'est du bleu. Vas-y, du bleu. Ouf. Alors, 6 de portée, 4 de dégâts. C'est un très bon score. Succès critique. Donc là, tu touches. Tu vises qui? Il vise lui. Celui-ci. D'accord. 6 bois doit être largement porté. 3, il prend. 3 de dégâts. Ouais. Donc le Stormtrooper tombe à terre et meurt. Ouais. Et tu peux encore te. Je peux encore te déplacer de 1. Te déplacer sur je vais me ravancer un peu. Histoire de prendre. Ouais, bah je sais ce que je vais faire au prochain tour. Bah c'est à toi de jouer. Ok. Bah du coup. Du coup, toi tu mets ton point. Ouais, j'ai tout mis. Excuse-moi. Après une analyse rapide, je me rends compte que la percée du Wookiee était un peu trop brutale et le sniper s'est quand même assez bien tiré. Donc, je vais me déplacer à proximité du sniper. Je vais utiliser ma compétence commandement qui permet donc de donner une attaque supplémentaire à un allié. Donc, il peut réattaquer.
Oui. Donc, mais je prends 2 points de stress et je suis engagé et j'ai fini mon tour. Et qui réattaque du coup ? Ça va être toute qui réattaque. Donc là, je te laisse, tu peux réattaquer. Ok. Donc du coup, tu choisis soit lui à achever ou soit tu commences à attaquer le droïde. Je vais plutôt m'attaquer au droïde. Ok, donc tu reprends tes 2 dés bleus. Ok. Donc là, je me tape 2 trucs de stress. Hein. Vous pouvez voir. Oh là là, 7 de portée. Oh là là. Ouais, mon voilà. Quoi. Il a de la chatte au dé, cet homme. Il a de la chatte. Je vais il est mort. Utiliser. Moi, je l'ai pas du tout. Non, tu peux pas l'utiliser. T'as pas de. T'as pas de dé, ah pas si. De... Ah ça, si, il peut utiliser un stress. Ouais, ouais. De toute façon, il fait 4 points de dégâts, c'est ça. Ouais. Ouais, mais fait 4. T'as 5 3. De santé. T'as vu te tuer Zeki. Ouais, mais non, perforation, t'enlèves juste un bouclier. Hein. Ouais, bon, c'est pas fou. Non, ça je vais rester comme ça. 1, 2, 3, 4. Donc, t'enlèves 1, 3 points de dégâts. 3 points de dégâts pour. Ok, bah, tu fais 3 points de dégâts, ok. Du coup, maintenant, c'est à toi de jouer. Et du coup, maintenant que vous avez fini de me pourrir. C'est au tour de l'Empire. L'Empire va se venger. L'Empire contre-attaque. LOL. 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 Ok, donc. Retournez vos tokens quand vous avez fini de jouer. Ah oui. Ouais, retournez vos tokens. Oublié. Alors, moi je vais commencer d'abord jouer avec le droïde. Donc il a 3 de déplacement. 1, 2, hop. Vous êtes comme ça en plein milieu. Ouais, ça merde. Tombe bien. Il va exploser. Alors je vais utiliser sa capacité, tout simplement qu'on appelle d'autodestruction. Mm. Donc, je peux lancer un dé rouge. Chaque, on va dire, agent à côté ou adjacent, bon, je me suis bien placé comme vous l'êtes tous, forcément, prendra le nombre de dégâts subis en fonction du jet de dé rouge. Combien je sortirai. Mais par contre, nous, on doit quand même jeter un dé de défense. Non, on n'a pas de défense. C'est direct, c'est une autodestruction. C'est... Ah ouais. Autodestruction. Vous êtes surpris, votre truc, il s'est jeté un peu mieux. Wow. Il a fait kamikaze, si tu veux. Ah ouais, d'accord. C'est ça. Tu n'aurais pas dû te mettre à côté. Vous prenez chacun 3 points de dégâts. Ça pique. Ça pique. Je n'y serai plus. Continue. Et du coup, le droïde, bah toi, il est mort. Par contre, le droïde est mort. Enfin, c'est mort. Oui, bah, oui. Ah bah attends, tiens, prends-toi 3 là. Ouais, je vais reprendre ces 3. Ouais. Il m'a transmis ses points de dégâts. C'est une MST. C'est dégueulasse. La mécanophilie. C'est gars, ouais, bah ouais. Stratège pour vous que sur ce coup-là. C'est pas faux. Ouais, j'avoue. Qu'est-ce que t'attends que je sois stratège, je suis... Bah, vu comment il me bourrine, je vais devoir un peu stratéger parce que sinon. Moi, mon but, je veux pas qu'il réussisse sa mission, merde. Tiens, bah justement, ça marche pas mal quand c'est lui qui joue. Voilà, c'est ça. Ça tombe bien. Alors, après, donc je vais pouvoir jouer mon Stormtrooper. Donc là, 4 de déplacement, ça coûte 2 de faire ça. Là, il y a encore 2. Je peux juste aller là, je peux pas aller plus loin. Alors, qui vais-je viser? Donc, t'as 14 PV, t'as 10 PV et t'as 10 PV. Non, là, j'ai plus que 7 là. Ouais, non, de base. Je parle de base. Donc, je vais viser. On va pas prendre trop compliqué comme tir. Je vais viser le vieux Argus. Le vieux! C'est celui qui a moins de chances d'esquiver. C'est ça. Ma sciatique! Bah, ça va, j'ai une armure lourde. Un des bleus et un des verts pour t'avoir. C'est-à-dire noir c'est armure lourde et puis jaune c'est... Enfin, blanc c'est armure légère. Alors je te fais 3 dégâts et l'adrénaline qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne soit plus 2 en précision, soit plus 1 dégât pour un Stormtrooper. Donc je veux dire que comme t'es déjà à portée et tout rien, 4 dégâts. Bon, faut que je vise le dé. Donc t'en prends 2 dégâts. Je prends 2 dégâts. Bah tu peux me donner un gros token à 5. Ouais, voilà. Du coup le Stormtrooper se touche à cible. Et Argus est moyennement blessé. À l'épaule. Ouais. À l'épaule, c'est ça. C'est toujours stylé les blessures à l'épaule. C'est ça. Light, ça va ? Donc, le Stormtrooper, ça fait son tour. Il reste plus que l'officier impérial. Tac. Il va se positionner juste là. Et va se mettre à cibler. Bon, on va éviter de martyriser. Bah, c'est bien, tu peux pas. Je vais devenir concentré, j'ai pas compris. Ah, t'as pas de ligne de vue là, je crois. Non, j'ai pas de ligne de vue. T'as pas la ligne de vue sur Argus. Par contre, t'as la ligne de vue sur le Wookie et. Juste là, je vais encore dépasser de 1 pour dire de tirer sur le. Objection! Sur le Wookie. Sur Kargan. Et l'officier a un des bleus et un des jaunes. Oh putain, ouais. Déjà, je crois qu'il y a plus de dégâts, je crois, mais moins de portée. Alors, tu as un dégât et l'adrénaline, alors qu'est-ce qu'elle fait? Chaque adrénaline, soit je prends un dégât, soit je prends plus de précision.
sachant que t'as apporté des jeux de base. Donc, je prends pas les adrénalines, on dégage. On est en plein paradoxe parce que la précision, prends, normalement, dans les Stormtroopers, ça n'existe pas. C'est ça. Mais là, c'est pas Stormtroopers. J'ai rien pris. T'as juste un dégât. Ah, oui, si, parce qu'il a, il a deux adrénalines. Deux adrénalines. Ah, ouais. D'accord, ouais, donc je prends un dégât. Okay. Un seul dégât. Ok, ça me va. Donc, le Wookiee encaisse très bien. C'est, les tirs et frôle ses poils. Il est un peu chaud. Ça brûle. Donc, là, vous pouvez retourner votre token, messieurs. Allez. Et là, vous pouvez retourner votre token. C'est au tour des agents impériaux de jouer. C'est à moi de jouer, du coup. T'as oh mon dieu, on est en train de faire un misplay. C'est n'importe qui entre vous commence, hein. Ça, y a pas mais de... Oui, c'est pour ça qu'on se met d'accord. Donc, du coup, d'accord. Je commence à déblayer, vous y allez ensuite ou. Je suis à 10 de santé. Ouais. Le mieux, c'est que tu prennes le Stormtroopers et j'enchaînerai ensuite sur le commandant en arrière. Après, sachant que le commandant, ouais, mais sachant que le commandant est déjà bien, est pas entamé, le Stormtrooper-ci et Major, il fait plus de dégâts corps à corps que nous. Il est pas entamé, ce Stormtrooper 9. Si, il a un point de dégâts de plus. Ah d'accord. Il a pris un dégât. Ne vous inquiétez pas. Le problème, c'est qu'il va vous mettre en position parce que moi, je vous boucherai la vue. Attends, quoi que. Si tu mets dans la zone bleue. Attends, je sais comment on va la jouer. Du coup, j'ai toujours 4 d'endurance. Non, j'en ai plus que 2 vu que j'ai 2 points de stress. Ah, dommage. Sachant qu'on est qu'au début de la mission, donc peut-être ménager ses forces. Même tu peux aller dans la zone bleue, au moins tu bouges pas la vue à moi et Major. Et ouais, mais, oui, mais il faut, non, mais il faut qu'il tape lui. Mm-hmm. Il est tout neuf et il fait plus mal au corps à corps. C'est lui qui est notre cogneur. Ouais. Mais non, les officiers impériaux sont pas si bien sans que ça. Allez, on va là. Ah, il y a 3 points de santé, hein. Je lui tire une balle, ça passe. Et tu t'es foutu en plein milieu. Voilà, si je me ménage, je me fous en plein milieu. Non, mais ah oui, a... c'est pour ça que je te dis d'aller dans la zone bleue. Le MJ a tout dit. Tout à l'heure, tu pouvais parce que t'es pas en ligne droite comme ça, t'étais un peu décalé. Ouais. Ouais. Si tu veux tirer, par contre, si t'es juste en ligne droite, non. C'est... Moi, va falloir que je me dépasse. Il faudra que tu bouges là, par exemple. Donc là, si je vais là, je prends 2 points de dégâts. Enfin, 2 points de. T'as 2, ouais. 2 points de déplacement. Bah oui, je prends mes 2 points de déplacement, je termine lui, vous prenez celui-là à 2. Bah oui, parce que non, t'as pris les mauvais dés. Faut que je prenne un rouge, moi. Oh, 4, tu l'as vu. Ça a eu une adrénaline, donc je prends 4 points de dégâts, il est mort. Mais il est mort. Okay. Il a fait un home run avec le Stormtrooper. C'est ça. Donc, une escouade complète de Stormtrooper est mort, décédé. Est-ce que tu repousses sous les coups de ce Wookiee. Je peux pas. Sinon, je prends des points de Bouger. Non, je sais pas. Non, il peut plus. Il y a plus de points de déplacement. T'as fait 2. Ouais. T'en restes 2. Non, il y a 2 points d'adrénaline, donc points d'adrénaline, points de stress. Plein de déplacement, mais vous écoutez, bande de guignols. Déplacement. 2. Déplacement. Ouais. T'as 4. T'as 4 en vitesse. T'en as claqué 2. Donc il t'en reste 2 si tu veux rebouger. Bah dans ce cas-là, pourquoi tout à l'heure vous avez dit qu'il pouvait en faire que 2? On parlait des points de stress. Si j'ai attaqué, est-ce que je peux pirater? Non, c'est une action par move. Bah, non. Non, tu feras plus d'action. Tu peux rebouger ou tu peux te stresser pour refaire une attaque si tu veux parce que c'est une capacité spéciale que t'as. Mais sinon, non, tu pourras pas directement pirater. Je vais rebouger juste non si je me mets là, je vais me mettre ici prêt à aller sur la porte. Ouais mais non tu sors du truc donc tu peux pas. Tu peux mettre là. Ouais mais là on met toi pas là parce que j'aurais aimé agir en premier voir si je butais l'officier comme ça il pourrait aller plus aller pirater. Ouais bah je bouge pas là. Donc je vais me déplacer. Je vais me déplacer là j'ai la ligne de vue. Mais, tu m'as l'air un peu loin par contre non. Non, deux cases. C'est deux cases, je crois, dans la portée là. Ou deux ou trois. Ça plus trois, je pense. Trois cases dans la portée ou deux, ici. Tu veux faire quoi? Pour attaquer le jeu. Attaquer directement. Il faut si tu veux attaquer, bah, c'est quand tu vas faire ton jet, t'auras un nombre non, mais... de tirs. Je suis à combien de portée? Putain, mais je me fais pas comprendre ici, c'est fou quoi. C'est deux, trois. D'accord, trois, donc ok, c'est pas ce qui me semblait. Trois. Sachant que j'ai un des jaunes et un des bleus. Oh, je peux largement le faire. Quoique. Ah, sécurisé quand même. Ouais, je peux pas te faire. T'avais 2. Non! Ah, t'es joueur à 3 là. Ça veut dire 2. Excusez-moi. Ouais, allez. Ouh, tout pile. Non, ça fait 3 et 2. J'avais 5 de portée. 5 de portée. Ok, par contre, Carrefour, je peux lui enlever 2 armures. Je t'enlève l'adrénaline. Donc, tu fais. Bah, je fais 1. Ah, quoique! Encore mieux. T'es sonné. J'ai la capacité de tir incapacitant quand j'ai une adrénaline. Ouais, donc ok. Donc, t'as un dégât et t'es sonné.
T'es pas obligé de prendre une carte normalement si t'as sonné. Si, t'as la carte sonnée. Pour info, regardez, tire incapacitant. Pour ça qu'il est bien le vieux. Alors, il a tiré dans le genou. Sonné. Donc au prochain tour, je ne pourrai pas ni attaquer ni sortir volontairement de ma case. Donc en fait, il reste sur place. Il reste sur place en gros. Bah du coup, il peut pas bouger. Donc du coup, tu peux aller pirater. Je peux aller pirater tout de suite ce que j'avais fait. Donc moi, j'ai fini de jouer. Savoir est-ce que j'ai la portée de déplacement. Il faut 4 cases. Il en faut 3 de déplacement. Il en faut 3. Ouais. 1, 2, 3. Ouais, j'avoue. Bon bah allez, je vais hacker. Alors du coup, pour expliquer un peu comment ça me fonctionne, pour le hacking, donc là c'est une action un peu particulière, vous avez des cases un peu en bas des cartes qui sont là. Sachant que si tu me trompes, enfin si je me trompe, c'est quoi, tu me corriges. C'est il faut un adresse, si je me trompe. Il faut avoir une adrénaline en fait parmi les dés, donc plus vous avez de dés, plus vous avez de chance d'avoir une adrénaline pour réussir l'action. Donc, du coup voilà. Donc il me faut un bleu, un vert, un jaune. C'est ça, hein, c'est un jet techno que je fais. C'est ça. Ouais, c'est un jet techno que tu fais. Bah c'est. Il y avait les trois. Ah bon, j'avais pas vu. Pardon. C'est pas grave. Lardon. Il aurait su aller. Je regarde ce qu'il faut comme stat pour que tu puisses le pirater. 4. Oui, bah tu as réussi à pirater. Y'a pas de soucis. Donc il a mis un virus style cheval de Troie et il s'est passé tout seul. J'ai mis un Trojan. Il a mis un Trojan. Du coup, tu peux retourner ton token et ça a Sega de jouer, mais Sega ne peut pas jouer. Du coup, ça ne joue. Donc on rejoue tout de suite. Pour l'instant, je ne. Bah, vous pour continuer à progresser, il n'y a pas de souci. L'agent impérial, l'officier est sonné. Tout a réussi à pirater le premier ordinateur à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Il y a une caisse juste à côté, je ne sais pas si après si vous allez la prendre, c'est comme vous voulez. Pour les loot, donc si on va la prendre après. Si vous voulez gagner par contre, ça prend une action. Des objets à l'intérieur. Pour l'instant, la porte actuellement, celle-là, est fermée. Vous essayez de progresser, vous verrez bien. Pour l'instant, je ne fais rien. Je vous laisse progresser. Dites-moi ce que vous faites, j'attends. Bah, attends, hop, on retourne le token. Entendez. Ah ouais. Bah, le plus simple, c'est que on va laisser le Wookie faire ce qu'il sait faire le mieux. Taper dans des trucs. Taper dans des trucs. Dans des gens. Tu te mets où du coup? Bah, je vais me mettre là, hein, devant lui. Je prends 2 points de déplacement et du coup, j'ai un rouge à jaune. 3 d'adrénaline quand même. 3 de Wookie. Il est mort. Hein. Bon, je pense qu'il est mort. Hein. Ouais, non, mais bye bye. Là, Major a fait un excellent jet de dés. Monsieur est mort. Ok. Et moi. Du coup là tu... Ok. Qui c'est qui vient de shooter dans j'ai encore 2 points de temps. Ouais, tu peux te bouger un petit peu si tu veux. Mais évite de te mettre devant la caisse, ce que je pense que je vais le faire. 2. Je vais le faire. Du coup moi c'est à mon tour de jouer. Je sais qu'il y a un truc qui nous attend de l'autre côté qui va pas me plaire. 1, 2, 3. Je ne dirai rien. Bah 2 plutôt parce que c'est en diagonale. Excusez-moi. Donc je vais ouvrir le coffre. Donc du coup je le prends ici. Ah, donc tu peux retourner ce que ou c'est. Ou retourner, mais ça tu sais pas ce que. En fait, tu sais pas vraiment. Non, en fait, un coffre ça vaut un certain nombre d'argent. Voilà. Du coup, j'ai bougé de 2 cases et bah du coup, je vais rester derrière le Wookie. Celui qui va prendre. C'est lui, celui qui va me servir de pare-poil. Et je finis mon tour. Ok. Donc tu restes là. Toi, est-ce que tu bouges, tu avances Bah moi, je vais me mettre juste derrière la porte en fait pour pouvoir rentrer. Tu la pirates ou. Oh, non, je faut la pirater pour l'ouvrir. Non, il n'y a pas nécessairement besoin, tu n'as encore rien fait, tu peux tout simplement essayer de l'ouvrir naturellement. D'accord. Bah, on va. Tu vois pas d'obstacle particulier, ni rien, t'as Non, ouvrir. Je vais me mettre au niveau de la porte, mais pas l'ouvrir tout de suite. S'il y a des gens de l'autre côté, vu étant donné qu'on a terminé notre tour, s'il y a des gens de l'autre côté, j'aimerais qu'on ait tous un tour d'attaque au moment d'ouvrir la porte. Ah, mais je te rappelle, on a laissé timer, hein. C'est mais pas grave. Au deuxième ou troisième. De toute façon, il reste plus que moi à attaquer. Donc moi tout seul, je vais pas. Je suis pas major, tu vois, je peux pas faire piou 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 et tout le monde est mort. C'est pas un pompe que j'ai. Non mais il a pas tort. Faut mieux laisser la porte. Voilà. Fermée, je laisse la porte fermée pour le moment. Comme ça, au moment d'ouvrir, on aura tous notre tour. Notre tour d'attaque. L'un d'entre nous n'aura pas le tour d'attaque parce que ça prend une action. Ouais, ça prend une action d'ouvrir la porte. Ouais, mais même.
Vaut mieux ça plutôt que je déclare la fin de mon tour en ouvrant la porte et qu'on se fasse attaquer. Oui, non, je suis d'accord, mais il faudra choisir la bonne personne qui ouvre la porte. Bah, au pire, voilà. Tu sais, j'utilise ma capacité de commandement, tu peux en jouer après, hein. Tu peux rattaquer. Hein. Ouais. Ah, mais ça en fait qu'un. Bon. C'est ça, et puis si les ennemis ils sont loin, ils pourront rien faire non plus. Bon, bref, du coup, t'as fini de jouer. Vous avez fini votre tour. Voilà. Okay, troisième tour. Vous commencez votre tour. Donc on remet tous notre token. Donc, du coup, Major, tu ouvres la porte? On essaye comment? Je la défonce. Visuellement, tu vois qu'il y a un obstacle pour l'ouvrir. T'as un bouton, t'as un interrupteur, il n'y a pas de souci. Bah, regarde, tu ouais, peux le taper dessus directement. T'as un bouton vert. Te dire, je puisse ce bouton, je l'ouvre. Ou juste taper, je ne sais pas, comme tu le sens. Ouais, mais c'est con, on ne peut pas savoir si c'est verrouillé. Normalement, le MJ doit dire la porte. Il n'y a pas de loquet de verrou allumé. D'accord, bon, donc. Je pose la question, il n'y a pas de bouton. Donc, pour moi, je vous préviens tout de suite, ça pue l'embuscade. Bon, d'accord, tu avances là, du coup, parce que là, c'est un peu. Ouais, ça fait un point de dégâts. Un point de déplacement. Et j'ouvre, du coup. Tu ouvres. Donc, il n'y a pas de loquet. Donc, pour moi. Donc, tu ouvres la porte. Alors, tu entends s'écrier les voilà. Donc, il ouvre. Évidemment, il la voit pour l'instant. Donc, du coup, je la replace bien. Et on va placer les pions. Oh putain, la Gatling juste devant nous. Coucou. Je le savais en plus. Vous avez les agents. Si je dis pas de conneries. Ouais, il y a un point de spawn ici. Tac. Et il y a aussi. Voilà. Donc, visuellement, c'est ce que... C'est pas abusé du tout, les gens, hein, rassurez-vous. Les agents rebelles voient en ouvrant la porte. Déjà, bon, eux, ils le voient pas. Ils voient directement, on va dire, le... Alors, je vais vous dire le nom, comment il s'appelle exactement, ce mec. Au pire, si tu veux, je montre la carte, si tu veux que je la montre. Voilà, tu peux la montrer si tu veux. C'est l'opérateur E-Web. Donc, ils voient l'opérateur E-Web, un officier impérial, juste devant. Comme vous pouvez le voir, il y a des sacrés idées d'attaque. Il a un jaune, un rouge, un bleu. L'officier impérial commence à s'écrier les voilà. Et ne les laissez pas approcher des transmetteurs, des terminaux, tout simplement des ordinateurs qui doivent pirater. Alors, et l'officier impérial appuie sur un bouton qui reverrouille et referme la porte. Qui là ? Le salopard. Et c'est au tour des... à vous de jouer. Du coup, toi, tu as fait ton action. Putain. Ça reverrouille automatiquement. L'officier impérial a appuyé sur un bouton qui referme la porte et la verrouille. Sous votre nez. Soit tu me redonnes un truc d'attaque pour que je détruise ou que je pirate la porte. Soit c'est toi qui s'en occupe, mais on perd une attaque à distance. Bah, okay. Personnellement, vu que lui, il a l'air super dangereux, j'aurais voulu pouvoir l'attaquer le temps que je suis hors de portée, parce que j'ai un perc couvert. Je suis pas en ligne de vue, c'est à partir du moment où les ennemis me voient pas si je suis à plus de 4 cases d'écart d'eux. Donc je voulais croiser ça avec ma compétence d'embuscade. Je gagne 2 perforants en utilisant un... Bah, tout dépend à la combien de points de vue la porte. La porte, vous savez le nom de point de vue qu'elle a? Ouais. Alors je vais vous dire tout de suite, dans le scénario regarde. La porte a 8 PV et 1 devoir de défense. Ah, t'auras pas, faudra pirater, ce sera plus simple de la pirater. J'essaie de la pirater ou tout de l'essayer? Pirater, tu as. Soit il pirate, tu lui donnes une nouvelle attaque et il fait ce qu'il a dit. On va dire allez. Ah, mais il y aura jamais. S'il décide de pirater, s'il a un chiffre, on va dire pas trop loin des 8, je dis qu'il réussit mais que ça prend un peu de temps. Voilà, je peux vous l'aller négocier comme ça. Il réussit, mais ça prend tout simplement un peu de temps où il pourra plus se déplacer. Je veux dire, il est tellement emmerdé, il a réussi, mais il est emmerdé, il pourra plus se déplacer par derrière. Ouais. Mais niveau déplacement, encore, ça peut le faire. T'as pas besoin de. Toi, tu. J'ai pas besoin de bouger, moi. Moi, là, je suis très bien là où je suis. Il est très bien où il est. Il aura fait son action, il aura fait son tour, il pourra pas bouger, mais il va rusher s'il fait un score pas suffisamment haut. Bah, vas-y, tente le piratage, au pire, je t'en donne une action. Je vais faire comme ça. Je vais pirater. Bleu, vert, jaune. Oups. Putain, il était vachement loin. Donc, celui-là, t'as fait, non? C'est celui-là. Ouais, c'est ça. Donc, t'as fait 4. Il y a 50%. Donc, t'es à la, on va dire, à la moitié. Donc, la porte commence à s'ouvrir à la moitié. Tu bouges pas. Ça tout simplement continue. Et le Wookie peut tout simplement essayer de passer en dessous s'il veut. On continue à avancer. Il peut pas.
J'ai déjà fini de jouer. T'as déjà fini de jouer, toi? Bah... Ouais, c'est lui qui avait appuyé sur le bouton. C'est lui qui a appuyé sur le bouton. Mais il peut toujours déplacer. Il peut pas attaquer, mais il peut se déplacer. Je vais pas vous apporter... Ouais, voilà, il a pas... C'est comme... Bah du coup, je vais réutiliser ma compétence de commandement. Hein. Ouais. Donc sur... Non, il faut que je sois à 3 cases. À 3 cases, d'accord, ok. Donc il me faut 2 points de stress supplémentaires, sachant que j'ai 5 points d'endurance, donc... Hop, merci. Donc là je suis à 4 points de stress. Je l'ai distribué. Du coup, moi je vais annuler mon tour parce que ça sert à rien que je me déplace. Et du coup... Coudray peut rejouer, il peut retenter un piratage. Je vais retenter un piratage. On a pas le choix de faire ça. Par contre, je vais jouer de ce côté-là plutôt. Il a failli foutre le à terre. Donc tu es à. Oh bien, 6. Donc, il passe largement. Il passe largement. Donc... Elle est plus là, la porte est entièrement ouverte. Par contre, tu peux encore bouger si tu veux reculer. Non, je suis très bien là. Ouais, mais là, on a apporté des tirs, lui. Laisse tomber. Ah, moi non. Je parie combien que la sulfateuse a... Je suis à plus de 4 cases de distance, je suis hors de vue. Ouais, toi, ouais. Et... Pour le moment. Token. Moi, je m'en fous. Pour le moment, excuse-moi. Donc, le tour des agents rebelles est terminé. C'est au tour des... L'Empire et ses Stormtroopers, agents et opérateurs de jouer. Alors, l'opérateur va commencer. Il va sulfater la vermine. Alors, il a droit à 2 cases de déplacement. Voilà. Pour l'instant, je m'en. Là, tu es à combien? 1, 2, 3, 4. Donc, ta capacité, c'est à 4, c'est ça? Oui. Voilà. Hop, voilà. Tu es à portée, Toud. Chier! Félicitations. Alors, c'est une grosse artillerie. Il a droit à un des bleus, un des rouges, un des jaunes. En attaque. Alors. On va vous prendre cher. Je te l'avais dit. Hein. C'est un Stormtrooper, j'ai confiance. Ah mais au moins les trois là tu vois ils peuvent pas venir. Pour l'instant ouais. En fait j'aurais dû passer, t'aurais dû me donner ton attaque. Ah mais après t'aurais les trois histoire de smash. Je vais viser le Wookie qui est juste devant, à fond de balle. À fond de balle. Oh alors le Wookie prend 1, 2, 3, 4, 5, 6 et l'adrénaline donne 2 points de dégâts en plus, donc 8 dégâts. Donc 7. Et 7. Putain, ça je passe en concentré, je passe en rage. Ouais, concentré, rappelle l'état, ce que ça veut dire concentré. Attends, bah justement, faut que je pioche une carte. Elle est où la carte concentrée? Concentré. Alors, quand vous déclarez une attaque ou un test d'attribut, ajoutez un des verts de votre réserve de dés. Après avoir résolu une attaque, vous défaussez cette carte. Donc, je suis en ça lui donne en fait un dé d'attaque bonus. Voilà, voilà. Mais ce n'est que pour un tour. Après, donc, j'ai pris combien de dégâts déjà? 7, donc t'as 11 points de vie pris au total. 11 points de vie, donc il te reste 3 PV. Non, 5. 3 PV. Ouais, il va bien m'achever. Mais c'est à mon tour, donc je vais venir vous casser les couilles quoi. Là, il va venir m'achever. Et... Je dépasse les Stormtroopers. Donc ils ont 4 cases. 2, 3, 4. Ouais, ils peuvent pas sortir de toute façon. 3, 4. Voilà, ils se mettent comme ça. Et il n'y a plus qu'à l'officier impérial de pouvoir jouer. Donc l'officier impérial va se déplacer. Se mettre juste là. Et taper. Et il va aussi shooter forcément le Wookie qui est déjà bien amoché. Ouais. Putain, ouais. Il fait 3 de dégâts. Donc 2 contre un armure, donc ça fait Wookie. Il reste un point de vie. Il reste un point de vie, Wookie. Au bord du coma. La théorie du mono PV. C'est ça, c'est la théorie du mono PV. Et du coup, ça nous joue. Ouais. Et du coup, ça vous dit. Ouais, ça nous dit. Donc, sachant que tu as un des bonus pour ton tour, c'est ça. Tu peux enchaîner avec rage du coup. Parce que c'est. Attention, c'est que passer. C'est qu'une fois. C'est qu'une fois. Hein. Ah oui, d'accord, tu peux pas. Si t'as plusieurs attaques, tu peux pas avoir plusieurs fois le dévers. Non. Autant pour moi. Moi. Il est rageux, mais pas très longtemps. Voilà. Alors, en même temps, je suis au bord de la mort. C'est une petite rage. Je suis au bord de la mort, vieux. Je crois que je vais commencer à attaquer, je vais déblayer le terrain. Hein. C'est son cœur qui est en train de s'arrêter. C'est. C'est jet d'adrénaline, la dernière. J'y crois.
Tu vas taper quoi, la suffateuse? Ah bah ouais. Donc, on va à 2. On va à 2. Tu ouais. fais déjà 4 dégâts de base et tu as 3 adrénalines. Avec un adrénaline, je peux faire un dégât de plus. Ben t'étais là. À toi de te défendre du coup. 3 de défense. D'accord. Perforant, c'est tu enlèves tes armes. Ouais, c'est esquivé avec sa mitraillette comme c'est ça. Ouais. Il y a pas de problème. Non, en fait, c'est parce qu'il a tapé dans le trépied avant. Bah, tu légèrement. Il a glissé puis ça fait esquiver. Tu peux lui retirer tous ses armures, donc ce qui fait que tu lui affiches 4 des dégâts. Vu que t'as 3 adrénalines, tu peux faire 3 perforations. Ouais. Parce que enchaînement, ça revient au même. Ouais, ça revient au même. Donc, 3 de dégâts sur ton. Non. 4 dégâts sur ton. 4. Mais je vais bientôt crever. Mais il est pas mort le truc? Non. Oh, non, il reste un point de vie. Oh non. La tour du mauvais PV marche des deux côtés. C'est ça. Du coup, ça va être à moi d'enchaîner. C'est ça. Je pense. Étant donné que Cricri est assez loin. Attends, Kargan a fini son tour. Il reste à Argus et à Mac. Il reste nous deux. Mais est-ce que c'est vraiment un Mac? Après, je peux encore bouger, non? Il reste 2 points de ouais, peux bouger. Tu peux encore bouger, ouais. Là, je peux y aller. Ouais. Oui. Si par contre, tu vas être à portée des Stormtroopers. Backstab-le. Pour le moment, non? Bah, il va bouger après. Bah, non. Oui, il peut pour le moment, mais après, pour le moment, non. Actuellement, non. Après, si je bouge plus tard, il peut. Qu'est-ce que tu fais du coup? T'as envie de faire quoi, Toad? Je vais finir la sulfate, c'est plus dangereux des deux. Du coup, tu te déplaces où? Là, je devrais pouvoir tirer, non? Tu peux tirer, oui. Je peux tirer, oui. Ouais, je peux tirer ça, là, oui. je peux le toucher. Donc on va faire ça. C'est donc, quoi? T'avais pas un truc embuscade intéressant? Non, il n'y a pas à 4 cases. Il faut être à 4 cases des ennemis. Ah, ok. Qu'est-ce que tu fais? J'attaque. Pourquoi t'attaques? C'est pas le bon bleu. Ah oui, c'est à des bleus et à des jaunes. À des bleus et à des verts. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, c'est deux bleus. C'est deux bleus. J'ai confondu avec les jets techno. Cet homme... Je crade des dés. Tu es à 5 de distance, 2 dégâts et 1 adrénaline. C'est bon, il est mort. Il reste à poignée. Donc l'agent opérateur est gravement blessé, tombe à terre, suffoque et meurt. Bla bla bla. C'était très détaillé. Ça. Et du coup, tu peux encore te déplacer. Je vais rester là. T'as quoi, toi, t'es mort. Enfin, je vais rester là. Après, c'est ce que tu fais, toi. Donc il reste plus qu'au vieux Argus de jouer. Vieux Argus, le problème c'est que le vieux Argus il aimerait bien donner l'ordre au Wookiee de défoncer l'autre abruti, mais je vais déjà dépasser mes points de commandement. Et je sens qu'on va faire ça. 1, 2, 3, donc il faudrait que je me mette là. On est d'accord, 1, 2, 3. Pour tirer? Non, pour donner le point de commandement à lui. 1, 2... Oh, oui, si tu veux. Okay. Ça marche en dégâts. Par contre, il me faut un point de dégâts et un point d'adrénaline. Parce que là, j'ai dépassé. En fait, depuis le début, Argus ne tire pas. Il donne que des. Il tape de désordre. Ouais. Bah ouais, c'est mais ça. Regarde, il tape fort. Tire-lui dessus. J'ai pas monté. Tire-lui dessus. J'étais joué, mais tue. Je suis le stratège et je vous emmerde. Je suis trop vieux pour ces conneries. Ah, je joue le vieux dans Sea of Fish. Je suis ici. Le vieux. Du coup, moi, je rattaque. Du coup, tu rattaques. Retournement de hache. Du coup, ce Wookiee se retourne vers l'officier impérial, prêt à taper dessus. Je lui dis une insulte en Wookiee, je fais. Oui, ta mère est chaude. Oh, il est mort là. Ah. L'officier impérial succombe, ouais. Avec le coup de bras. 1, 2, 3, ouais, 4 trucs, il est mort. Le coup en deux. Le Wookiee l'a littéralement coupé la jugulaire. On n'en parle plus. Je vois le mania. Et puis t'as moi. 3 Stormtroopers qui arrivent juste après. Ouais, j'arrête de jouer. Enfin, je finis de jouer moi pour ma part. Bon, là, je vais prendre cher moi. Mm-hmm. Ok, donc ton tour est terminé. Donc, c'est à mon tour de jouer et de retenir le plus longtemps possible. Mm-hmm. Donc, pour votre information, vous avez fini le 4ème tour, on commence le 5ème tour. Oh putain. Oh non, je me finis. Soit vous vous grouillez. Faites comme vous voulez. Non, mais la mission d'initiative. La mission là, elle est infaisable en règle normale. Comme ça. Elle est infaisable. 1, 2, 3. Comme ça. 1, 2. Alors, voilà, j'ai positionné mes troupes. Le Stormtrooper, juste ici, va
vouloir essayer d'achever le Wookiee qui était déjà grièvement blessé et qui suffoque. On dirait moi le samedi soir. Ça, c'est autre chose. Ouf. Il fait 1, 2 et adrénaline, 3 points de dégâts. Il prend 1 point de dégâts. Le Wookiee est blessé. Par contre, les points de stress, ils redémarrent à 0 ou pas? Les points de stress, ils redémarrent à 0. Donc, on retire tout. Je crois que c'est bien ça. Donc, il reste plus que la charge. Non, en fait. C'est stress, par contre, il les garde. Ouais, par contre, il perd tous les dégâts. Tous les dégâts, ils enlèvent. Voilà. Bon, en fait, le Wookiee est actuellement blessé. Donc, les conséquences, c'est que. Le Wookiee, en fait, est blessé, donc 4 tournées. Il a perdu la capacité rage déjà pour commencer. Ouais, mais il a toujours charge, ouais. Il a toujours charge. Mais il va moins vite, il peut mettre moins de points de stress, mais il a autant de points de vie. Il a autant de points de vie, ouais. C'est un tank. Ah bah ouais. Non, on a bien fait de le mettre en première ligne pour qu'il crève en premier. Excellente stratégie, mon con. Ouais, donc ce Wookiee, si j'ai pas de conneries, je les avais dépassés que 3 points, du coup il me reste toujours un de déplacement. Je fous juste là, celui-là. Et je tire sur le... Mac. M'en douter. Mac. Donc c'est toujours... Ah. Toi c'est un des blancs par contre à acheter. Attends, ça on va les enlever, c'est les points de dégâts du truc. 4. La tourelle. Tour des blancs. Ouf, tu prends 4... Ah ouais putain, tu prends cher. Il prend 3. Ah il a gêné. Tu peux le relancer. Toujours. Bon. Oh il prend rien, esquive. Mac a fait l'esquive. Tu prends rien. Génial. Il est parti hors de la map. Il est revenu. Je suis un joueur de Dark Souls, j'ai appris à rouler. C'est ça, il a fait une superbe roulade et ne prend rien du tout. Et l'autre se rapproche pour son dernier point de déplacement. Il reste juste là. Voilà, c'est au tour. C'est la queue de chasse. À nous. Et il nous reste 2 tours, c'est ça, un tour de nos agents rebelles. C'est le dernier tour ou l'avant-dernier tour? C'est l'avant-dernier, c'est l'avant-dernier tour. On est au 5ème. Moi, je peux me déplacer de 4 cases. Admettons que j'arrive à faire 4 cases par tour. Limite, si Major, il peut faire un carnage avec une charge. Je vais me déplacer, je vais attaquer, je vais refaire une charge. Ouais, voilà, c'est ce qu'il va faire. Toujours le Wookiee en premier. 1, 2, 3, je viens au cac. T'es à 2, t'as 2 déplacements. Ils ont pas d'autodestruction. De toute façon, c'est le Major qui est devant, on s'en fout. Hey. Donc 5 maximum. Je te reste en avaline, donc 4 points de dégâts. Donc tu tues quel Stormtrooper? N'importe en fait. Bah ça arrive même. Oui, mais pour moi c'est non, c'est pas n'importe. Ouais. Ils ont tous un petit nom, tu sais. Celui-là. Oh, il a tué Billy. Je reprends. Bobby, moi. Bobby. Je vais prendre 2 points du coup de... De stress et faire une charge. De stress et faire une nouvelle charge. Ah, faut que je prenne 1 point de stress et 1 point de dégâts par contre. Mais par contre tu prends 2, donc tu prends 1 point de dégâts. Non. Qu'est-ce que tu... J'ai 3 points de dégâts. Il prend 1 point de dégâts, il a plus 3 points. Ah, je... ouais, mais c'est parce que je pensais qu'il redémarrait de 0. Non. Voilà. C'est, en fait, il a fait une mini crise cardiaque, trop d'adrénaline. 3, 4. Bien, non. Un point de dégâts. Dommage. Tu visais lequel? N'oublie pas que toi, tu peux me refaire une attaque. Hein. Je vais prendre celui-là. Dites avant de faire vos trucs lequel vous visez. Histoire que. Bah ouais, mais il a fallu quand même pirater tout ça. Donc, éventuellement, je vais attendre que Toad y joue. C'est pareil. Donc, toi, techniquement. Toad a joué, il est en rouge. Non, non, il n'y a pas encore joué. Prenez l'habitude de retourner votre token à chaque fois. Ouais, oublié. Donc du coup... Soit t'achèves, soit tu continues. Bah, il va falloir que j'achève, concrètement. Soit t'achèves, soit tu t'achèves l'autre. Enfin, je vais essayer de tuer l'autre, plutôt. Lui, il reste debout. Ouais, n'oublie pas de viseur. Ça permet, c'est divertissant, je trouve que ça te permet de voir ce que tu fais. Et t'es à 4 cases, non? À plus de 4 cases, ouais. Et laissez jouer un peu de liberté. Il m'a pas... Attends, 1, 2, 3... Non, celui-là, il y a 3 cases. Et bah, tente l'autre à 4, au pire. Tu peux reculer, hein. On n'a pas le temps de reculer. Il nous reste plus que 2 tours. Bah oui. Faut à tout prix que j'avance. Et bah, prends une embuscade sur lui. Sur le celui qui est en face de moi. Ouais, mais lui, il m'a en visu, donc l'embuscade, elle marche plus. Je rappelle que votre objectif n'est pas de tuer tout le monde, c'est de pirater les amateurs. Ouais, mais on peut pas passer, là. si, bah, je vais plutôt me ravancer légèrement, pour l'instant. T'as combien de points de dégâts de déplacement? 4. Mets-toi près du moniteur. Du moniteur. 1, 2, 3, 4. Ah, il y en a là. Juste ouais, là. Il y en a là, ouais. Putain. Donc je vais mettre là. Tu pirates ou pas? Soit tu pirates, soit t'attaques. De toute façon, on n'aura pas le temps de faire les 4. Si, mais ils pourront pas je pense pas qu'ils me tuent, hein, les deux, de toute façon. Non, ils pourront pas le tuer. Bah, je vais tenter un piratage. Tu t'arranges avec Argus si... Non, j'ai tenté un piratage. Si après, il veut essayer de bourrer un Bleu, vert, jaune. Je pirate.
J'allais occuper le Wookiee. Ce moment de stress. Bon, je jette par principe, mais bon. Donc, tu réussis, il te fallait 4 pour le faire. Je t'en ai enlevé 1, tu as largement plus. Ah, par contre, il est vert celui-là. Ça, oh, ça nous fait gagner un tour. Non, ça fait pas du tout. C'est juste des couleurs comme c'est ça. C'est à toi de choisir maintenant quoi faire. De toute façon, je peux donner soit une action ou quoi. Sachant que je suis déjà bien stressé. Au pire, avance-toi et donne-moi une action. Notre j'essaie d'en tuer un des deux. Comme ça, on peut passer. Il a la pression. Ah, mais là, si je vais prendre 2 points de dégâts gratos. Hein. Et ah, j'ai cru que t'as rien pris depuis le début, t'as pas été. Ouais, mais hey, après, moi je tombe à distanter. Après, il faut aussi évacuer après. Hein. Oh, mais... c'est pas les 6 tours pour pirater. Ah, mais après, il faut qu'on évacue c'est après. C'est les 6 tours pour pirater. C'est. Si vous réussissez, vous. Après, on se démerde. Si vous réussissez pas, vous évacuez aussi. Ah, mais voilà, donc après, il faut aussi prévoir l'évacuation. Mais non. Non, l'évacuation se fait à la fin de la mission. Donc voilà, à la fin de votre 6ème tour, je m'arrangerai pour décrire votre évacuation. Il y a une cinématique. Voilà, il y a la cinématique. Bah, du coup, je vais redonner une action à. Au Wookiee, hein, je vais donner une action au Wookiee. Si tu redonnes une action à Major, il pourra peut-être refaire un enchaînement derrière. Je peux refaire une charge quand c'est comme ça ou pas? Non, c'est une action, donc c'est soit tu fais une charge, soit t'attaques. T'as déjà attaqué, t'as fait une charge. Tu peux soit attaquer ou faire une charge. Ouais, donc dans tous les cas, j'attaque. Je reprends 2 points de dégâts, s'il vous plaît. Tu pourrais t'amuser sinon à l'enchaîner jusqu'à ce que t'aies plus de points de vie, tu vois. Ouais, c'est pour ça que j'ai posé la question. Attends, il y en a 2 là déjà. 2, bah 2. Désolé, mais ça serait cheaté quoi. Oui, non, mais c'est pour ça que je pose la question. Ouais, t'avais fait de bonhomme. Donc là, je rattaque, bah je vais rattaquer le même. Hein, Le même qui reste. Ouais, bah il a pas choc parce que sinon il a pris dans le bouger. Bah c'est non, dans les deux cas, je les touche les deux. Donc. Ouais, mais tu choisis lequel tu veux, celui qui a 3 PV. Celui qui a 3 PV. Ah, putain. 2 PV, pardon. 3 points de survivre. Ah, il est mort. Il est mort. Le Stormtroopers ici décède. Donc là, c'est bon, j'ai. Karagan avec sa vraie broche lui a arraché une jambe et ça doit jouer. Il s'est vidé de son sang. Tiens, Major. Et du coup, le tour d'agent impérial est fini. Des agents rebelles est fini. Enfin, ouais. Et c'est Toad. Le tour de l'Empire. De prendre sa vengeance avec son dernier Stormtrooper. Qui va essayer de gagner du temps comme à lâche. Il est là. Qui recule d'une case. Il tire sur sa première cible en vue de la panique. C'est le Wookiee, forcément, c'est ce qui lui paraît devant lui le plus menaçant. Il y a trop de poils. Le plus menaçant et de façon. Mon dieu, un Mexicain. Donald Trump nous avait prévenu. Hors sujet. Ouais, je trouve frale par pain. 3 points de dégâts. 3 points de dégâts. 3 points. Bon, ça va, tu tiens debout. Ouais, je tiens debout. Le Wookiee titube, mais il est toujours debout. Ok. Là, par contre, il nous bloque la porte, hein. Non ? Ouais. Je me replie juste ici, avec mon dernier déplacement, et voilà. Le tour de l'agent impérial est fini. Il y a, donc, il reste une caisse à choper, là, si on veut. Il reste deux terminaux, tour, et c'est le dernier tour. C'est le 5e ou 6e ? Là, c'est le début du 6e tour. Ouais, bah, donc on n'est pas à portée de déplacement, on chope la caisse, et puis on chope la caisse, et tue le dernier Stormtrooper, et puis voilà. Je suis même pas sur gain de XP donc. Mais si, il faut pex. C'est limite, ça sert à rien quoi. On prend la caisse et on se casse quoi. On a pas le choix. Non, on a pas le temps. Vous savez que vous êtes très juste au temps. C'est à vous de choisir maintenant ce que vous allez Notre faire. Très juste au temps. C'est quoi ce MJ qui raconte de la merde là ouais, extrêmement juste. Bah écoute, je fais 1, 2, 3, 4, hop. C'est à vous de voir si vous tentez l'impossible. Il prend la caisse, il prend la caisse. J'ai fini. S'il y en a qui veut prendre l'argent puis se tirer. Ah, façon, ah, comme le vieux, il a pris l'argent. Ici. Voilà. En plus de rester caché, Argus. Ah, y a rien dans lui. C'est un planqué. Bah, on sent les techniques de la République. Le planqué qui a pris 8 points de dégâts. On en parle, celui qui a que 3 points de dégâts de pris. Ouais, mais moi j'ai fait mon job. J'ai tué 2 trucs. Bah, et... au moins. Écoute, moi je quoi, toi, les seuls points de dégâts que t'as pris, c'est à chaque fois, c'est. Je te donne un tour de plus, mais j'ai plus d'adrénaline. Prends ce couteau. Sent que pendant que Mac et Argus. Sans gueule, le Wookiee est un peu seul à faire le taf de son côté. Ils sont dans la panique, les deux autres. C'est bon, il dégage. Donc le dernier Stormtrooper décède. Fondu en deux. Il n'y a plus rien entre les émetteurs et les agents. Mais le problème, c'est que les renforts arrivent et qu'ils n'ont plus le temps. Nous devons évacuer. Oui.
Par contre, c'est vite chiant. Alors, Argus donne. Tu donnes l'ordre d'évacuation. Bah, je donne l'ordre d'évacuation. Nous n'avons plus le temps. Les renforts arrivent. Nous avons reçu un email. Nous avons reçu une alerte de la part de la rébellion. Les renforts arrivent. Nous devons évacuer, messieurs. Ok, donc le vaisseau qui était tout simplement autour en orbite a détecté les renforts de l'Empire qui arrivaient, tout simplement. Argus a reçu l'information et donne le repli stratégique à ses coéquipiers pour retourner tout simplement à leur zone de départ ici pour évacuer. Le vaisseau revient. juste au moment où les vaisseaux reviennent, bon, juste pour dire l'histoire visuellement, ils voient les agents impériaux tout simplement débarquer, vite fait. Attends, du coup, on arrive là. Mais arrivent à remonter sans encombre dans leur vaisseau. Les balises n'ont pas été désactivées. Et vous êtes tout simplement en fuite, désormais. Donc la mission est échouée. Nous avons raté notre première mission, qui consistait, du coup... Alors, on s'en est mieux sorti que la dernière fois. Avec les problèmes de relais. C'est la première fois que je joue à ça. Mais du coup, nous avons évacué, donc chacun reprend. Voilà, donc ils ont évacué, donc... Ils sont au camp. Fin de la première mission, c'est un échec.